Alexandre qui s'occupe de toute la partie notamment automobile de JQ. Tu n'as pas que ça d'ailleurs, tu fais tout ce qui est... Non, je fais tout l'art de vivre. Ah oui, en français dans le texte. Allez, moi je monte derrière, vas-y, tu vas monter devant. Ah bon, génial. Ouais. Bien, on voit, il y a des lumières bleues qui s'affichent et tout, c'est incroyable. C'est vrai qu'il y a un petit côté... bijoux. Maintenant, il s'allume, il s'éteint, on ne sait pas trop pourquoi. Oui, mais ça, c'est un véhicule de démonstration, monsieur. C'est vrai. Mais j'adore. T'as été combien de temps Alors, tu vois, ils avaient dit qu'ils ne pourraient pas mettre de grand toit, ils ont pu le faire. Si, ils ont réussi. C'est des beaux cuirs. J'aime bien les boiseries, moi, je les trouve. Oui, elles font un peu pierre. C'est les boiseries côté. Ouais. Mais elles font vrai. Elles ne font pas boiserie, tu sais. Un peu vrai. Mais ça, c'est ton amour des Anglaises qui parle, qui fait que du coup, tu sais reconnaître au premier coup d'œil. N'est-ce pas des vraies boiseries? Moi, j'attends beaucoup de cette voiture parce qu'elle va s'appeler Lancia chez nous, mais aux États-Unis, elle va continuer à s'appeler 300, c'est Chrysler. Et alors? Oui, équivalent. Et alors, c'était la voiture des fonctionnaires, la 300, c'est un peu, tu vois. Par exemple. Des hauts fonctionnaires, quand même, des hauts fonctionnaires de la Maison Blanche. Ce qui est amusant, c'est que chez nous, en France, celui qui en avait une et qui pavanait avec, c'était Denis Oliven. Denis Oliven, il faut expliquer, c'était le rédacteur en chef du Nouvel Observateur. Directeur de la rédaction. Et maintenant, il est passé chez Europe 1. Quelqu'un qui compte. Il avait une 300. Il va changer, il va avoir une Téma maintenant. D'accord. Et en tout cas, ce qui est amusant, c'est que c'est quand même un peu l'espèce de forteresse, tu vois, comme ça, avec des toutes petites fenêtres. Les fenêtres sont très... La ceinture de caisse, comme on dit, est très haute. Haute. Et donc, ça donnait un côté puissant, racé à cette voiture américaine, d'origine allemande, puisqu'en fait, c'était une base Mercedes. Alors là, le fait qu'il y ait Lancia, ça va ajouter une petite touche un peu glamour, un peu... On voit dans les coutures, par exemple, elles sont bien mieux finies que par le passé. Alors... Ah, monsieur Belmichi, tu sais que spécialiste mondial. Vous connaissez Alexandre de GQ? Non. Vous ne connaissez pas Arnaud Benoni, c'est monsieur Lancia, mais si Alexandre, c'est le monsieur lifestyle de GQ. Et ça fait un quart d'heure, c'est lui qui me fait la vente extraordinaire du Grand Voyageur, qu'il adore, un Pullman, et de la 300C. Il aime ce mélange d'exotisme, d'origine. De glamour. Je pense qu'il fallait monter plutôt dans l'autre modèle. C'est vrai? Bah oui, car. Est-ce que tu peux les mettre dehors? Il y a des gens qui ont. Est-ce qu'avec les relations que tu as. Si tu veux, sur un modèle comme celui-là. Il faut absolument le commercialiser avec des intérieurs clairs, crème, chocolat et des bois clairs. Bon, on va la refaire alors.